Un cadre magnifique pour une reprise intensive. Les gymnastes de l'Étoile de Monaco sont en pleine préparation physique d'avant-saison. Depuis 3 semaines et à raison de 3 séances par semaine le matin, les protégés de Thierry Hems se rendent sur la digue afin de réaliser un gros travail de fond pendant un mois. Une charge de travail nécessaire et obligatoire afin d'aborder la nouvelle saison dans les meilleures dispositions. On fait en extérieur 3 séances par semaine le matin. On fait un petit travail de fond, un petit décrassage de 30 minutes. Après, un travail d'explosivité sur les jambes et notamment sur les mollets. Après, on fait un gros travail sur tout le haut du corps, la ceinture abdominale et toute la ceinture scapulaire. On fait un gros travail de fond pendant un bon mois dès le départ et après entretenir le fond et travailler uniquement l'explosivité pour la saison. Les saisons sont de plus en plus longues et intenses à l'image de celles de l'an passé. Jeux des petits états d'Europe, jeux méditerranéens. Les gymnastes ont pu couper un bon mois cet été, mais couper ne veut pas dire arrêter toute activité physique. Ça, c'est une initiative personnelle. Par exemple, moi, pendant les vacances, j'essaye toujours de faire un peu de physique. Je vais courir un peu pour pas trop perdre le cardio. Également, je fais quelques sollicitations musculaires pour pas revenir ici complètement à zéro et garder un peu les bases que j'ai durement travaillées pour les avoir. Après le physique le matin, direction la salle l'après-midi pour travailler la technique et de nouveaux éléments. Même si ce n'est pas la période la plus agréable, la préparation physique est un des moments primordiaux de la saison. La préparation physique, c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre justement de tenir tout au long de la saison pour ne pas se blesser. C'est hyper important parce que si on est mal préparé, on risque d'une part les blessures et d'autre part de ne pas arriver à être prêt physiquement et pas réussir à les objectifs. Et des échéances, il y en aura cette année avec plusieurs tournois internationaux jusqu'au mois de décembre, place ensuite au championnat d'Europe puis au championnat du monde. Voilà le programme pour les gymnastes qui font de la compétition. Pour les autres, reprise mercredi 11 au club avec des cours variés et de la gym en découverte à partir de 6 ans. Entraînement les mercredis et samedis. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler les deux numéros qui s'affichent en bas de votre écran.